The Millionaire Fighting 2001 is about to begin. Hardcore fans have been eagerly anticipating this event, and now the waiting is finally over. Check your training wheels at the door, ladies and gentlemen. This is gonna be one incredible battle that won't easily be forgotten. Les amis, alors on va attendre la sélection de personnages. Donc Justin Wong, hein, comme je vous l'avais dit, une griffe, une Chun-Li, un Sagat, c'est gros. Et la Miss Kays qui se dit, mais qu'est-ce que je fous là, putain. Mais je me tape la honte devant 400 000 spectateurs. Mais c'est ça qu'on veut. Bernard Tapie, tu seras divulgué, voilà, ton rêve. Les gars, c'est la finale winner. Un maximum de bruit, s'il vous plaît. Et c'est parti! Alors, là, j'ai du lag sur cet écran, donc je vais commenter de ce côté. Ok, c'est parti. Voilà, donc Justin Wong, à l'aise, Blaise. Voilà, il se fait quand même boiter. Voilà, là, c'est une relevée en roll cancel. Voilà, Justin, qui esquive complètement les deux scoïs piffés de la Miss Kays. Bernard Tapie à son meilleur, hop. Voilà, et on gratte tranquillement la barre de garde. Vous voyez la barre de garde du Honda, hein, qui subit. Hop, attention, Skies, ah c'était bien vu. Eh, je dis ça, mais Skies est en train de faire un miracle. Mais il fait toujours ça avec son dard qui est très imprévisible. Voilà, du coup, Justin Wong qui est très très calme, et là qui va buter, qui s'en va la race, il a le temps, voilà. Et du coup, Ichiba qui vient de lui donner un conseil en disant sauve vite shop. Voilà, mais ouais, un peu plus de mind game quand même, le mec il lâche des doscos il y a 4 km. Allez, brûle ton cosmos, guys! Donc là, on en roule. Il est complètement schnapp. C'est un perso faible. C'est dommage, il avait des possibilités, mais... C'est un perso qui arrache beaucoup de barres, mais possibilité de combo très difficile. Donc, en général, il faut hésiter, voilà. Voilà, spam, petit pied. Et la roll! Dommage, il a fait le level 1. Pourquoi? Si seulement on a envie de voir la Chun-Li de Justin Wong, s'il vous plaît. Alors, voilà, ça s'observe, ça fait style, c'est un top player, mais vous le savez, vous et moi, que là c'est une escroquerie de Scapin, une fonderie totale. Que fait-il à ce stade de la compétition, ce Witchop? Voilà, Justin Wong, c'est cette fois-ci qui joue encore plus sérieusement. Voilà, il connaît. Il a été très prudent et il a le level 1 dans le ZEF. Et ouais. Allez, Skies, essaye d'éviter. Alors, ceci dit, hein, Skies peut-être ne joue peut-être pas forcément au top niveau, mais je vous rappelle que même contre les plus gros joueurs confirmés français, Justin a malmené avec sa griffe, hein, et a en général gagné sans avoir à dévoiler le reste de ses personnages. Donc, le pauvre Skies, quelque part, voilà, hein, Bernard Tapie, il n'a pas tous les torts de la Terre. Bien vu. Ah, la Fury Level 3 vient te placer sur mon kebab. Et je crois que c'est peut-être déjà terminé pour la Miss Kays, hein, dans quelques instants. Et on va pouvoir passer à des matchs un peu plus excitants. Oui, bien vu, il a hésité. Voilà, allez Skays, tu peux le faire, patience. On veut voir la chaîne libre. Peut-être une petite roulette level 2, tu vois, à un moment. Oui. Allez Bernard, tout à fait. Allez, hop, voilà Justin, oui bien vu, la part de Skies, mais qu'est-ce que passe-t-il? Va-t-il me faire un miracle? Skies, ne meurs pas sans ton pif, en tout cas, s'il te plaît. Le mec, il est là, j'aime à voir. Ouais, non mais c'était ça, tu me le dis, moi j'ai un final. Allez, c'est terminé, merci, au revoir, 1-0 pour la team Justin Wong, ultime Wong, pardon. Et donc, l'ami autrichien Ultima, qui va cette fois-ci en combat à groove contre à groove. Alors ça va aller très vite, hein. Je vais essayer de suivre, mais ça va défiler. Et des teams, voilà, quasi identiques, hein. Vous aurez noté, à peine la Sakura qui change à ce stade de la compétition. Donc c'est... La caméra. This is gonna be a match to remember. Fight! Ok, c'est parti. Ouh.
Allez, ok, et Bass, donc Bass qui lui a quasi hâte, presque tout le temps, dans ce striker, enfin oui, tout le temps striker, tout simplement. Donc là, le A-Group, c'est encore pire. La déchoppe bien vue de la part d'Ultima, cette fois-ci, ça joue sérieusement. Voilà, la chenille, il temporise, on s'en fout. Et la chope. Aïe, 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 bien vu, il avait vu. Ah, il compresse, voilà, je fais plus lire sa chope. Ça roule à travers la chope. Ouais. Voilà, ça, c'est dans la garde, et ça fait mal à la barre de garde, et ça gratte la barre de vie. Un petit peu dommage, Ultima qui a raté son, sa ball roll cancel, qui se fait compresser dans le coin, vous le notez, hein. Et là, c'est dangereux. Voilà, et là, carotte, hey, 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 et Fury, voilà. Donc, désormais, les amis, j'ai un peu plus que la doré, je vous demanderai quand le aggro sera déclenché et que les combos seront hey, 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 de hey, hey, avec moi, s'il vous plaît. Allez, peut-être Ultima avec le dictateur qui peut revenir. Donc, alors voilà, Ultima, Ultima qui essaye de se barrer. Qui peut, voilà, attention. Les deux adversaires sont prudents parce que Bass sait, il sait qu'à la moindre erreur, sa barre de vie va voler. Mais là, et là, c'est le dictateur Ultima qui n'arrive pas à sortir de ce pressing, qui n'arrive pas à sortir ses rolls cancel. Ah oui, oh là là, c'est le stunfest. Hey, oula, 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 qu'est-ce que c'est d'exemple, c'est un ratage. Mais c'est pas grave, ils s'en foutent. Et tranquillement, la barre de garde. Voilà, hey, ah, ouais, mais c'est pas grave, il temporise. Il va, oui, hey, hey, dommage, super, voilà, décalage choc, on va pouvoir. Il rate pas. Et ouais, la différence, c'est ça la différence avec un vrai top player, c'est qu'il rate jamais. Ok, allez Ultima, tu peux le faire. Voilà, aïe aïe aïe, ce zonique parfait. Bien vu, il s'est pas laissé avoir par les grappes de l'électricité. Basse, malgré son avance faramineuse, qui garde son calme, qui n'essaye pas d'attaquer forcément, qui est très très lucide, hein. C'est fantastique. Voilà, là, grâce. Et voilà, moitié de part, hein, les amis. Sur ce combo dans la garde, c'est moitié de part. Et Ultima, qui a réussi à se débarrasser du Blanca, et qui va pouvoir entamer le prochain round avec une barre quasi courte. Voilà, allez. Donc le Blanca d'Ultima qui est en ratio 2, qui va faire donc plus mal que le Blanca de Basse, mais voilà, le combo qui est pas raté. Voilà, il balaye la punch, la rolling. Voilà, là, Bass, Bass qui est en danger, parce qu'il sait, là, oh là là, les deux, on le aggro, attention, préparez-vous, ça va péter un moment. Voilà, donc là, il y a les mindgames, ils sautent vite, ils se disent, ah, il va lâcher le aggro, mais il le lâche pas. L'autre se dit, attention, je vais le choper, mais je vais pas le choper, parce qu'il va mettre un aggro. Bref, ça se mindgame, voilà, tout ça, c'est du mindgame. Mais pendant que je vous parle, c'est maintenant, il a raté. Voilà, attention, et voilà, hey, 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 hey. Super bien joué de la part d'Ultima, mais Bass l'emporte tout naturellement. Et alors là les amis, quand ils auront choisi leur perso, je vais vous demander un tonnerre d'applaudissements parce que là, c'est deux légendes du Versus Fighting, deux légendes de CVS2, des gagnants du Tougeki, des gagnants de l'Evo qui s'affrontent en live au Stunfest pour les 10 ans en finale winner. Et c'est parti, que tu te lances la rose, que tu te lances la rose, voilà, et Justin Wong qui entame les hostilités en punissant, voilà, c'est pas les yettes, super, le choc, Justin Wong, vous pouvez le noter, c'est un zonique impeccable, on n'a pas assez ceci, j'ai bien vu la roulade qui a esquivé la roll de Basse, et la chope en l'air, Justin qui est vraiment en royal, ça s'observe. Beaucoup de prudence, mais Justin a une avance, et là pour le moment il sait qu'il peut attaquer, il ne le fait pas forcément, mais il sait qu'il peut attaquer, puisque Bass n'a pas encore sa barre de aggro full. Putain, c'est incroyable, qu'est-ce qui m'arrive, je suis en train de commander ça, c'est un truc de plus. Bref, comment si tu m'écoutes. Alors, hey, voilà, Justin Wong, voilà, il prend pas de risque, il met au sol, il se casse, il s'en fout, il joue le temps. Voilà, cette fois-ci la chope en l'air qui est à l'avantage de Bass, mais c'est pas grave. Justin, incroyable Justin. Il est là, il gère, voilà à nouveau. Voilà.
il prend pas de risque. Découvre dans ta garde et je m'en fous. Voilà, super. Voilà, oh là. Et là, cette fois-ci, ça va être tendu. C'est un truc de dingue, les gars. Allez, voilà, Justin Wu qui va pas prendre de risque. Il s'en trouve super bien gardé l'overhead. Et ça va garder. Il sacrifie sa base de super, mais bien vu. Il arrive à gratter parce qu'il sait qu'il va regagner de la barre très rapidement. Et donc, attention, dictateur, chemin. Ça va être chaud. Je sais pas comment Justin va s'en sortir. Voilà, pour le moment, Bass s'en fout, recharge sa barre en donnant des coups dans le vent. Pendant ce temps-là, Justin, voilà, va essayer d'approcher, mais prudemment. Voilà la punition, parce que voilà, la torche dans la garde, ça c'est fini. Donc là, le mind game, ça va être, je sais que tu vas taper, je fais un roll concept. Voilà, et là, vous le voyez, cette barre d'un coup qui se remplit, aïe, t'es encore firme. Oui, voilà, la torsion recommence du coup. Waouh, avancez sur. Ah oui, pendant la groove. C'est un truc de ouf. Il a raté, c'est incroyable. C'est encore possible pour Justin. Allez, on va regarder son calme. Si Justin arrive à mettre la félique, il peut revenir en deuil. Allez, mais là, Bass ne frappe pas l'erreur, voilà. Aïe, Justin s'en veut, il le sait. Oh, fantastique Bass. C'est incroyable. Voilà. Allez. Ouais, bien vu. Justin qui évite, voilà. Mais du coup, Bass s'en fout. Il sait. Et la torche en roll. Aïe, c'est dur. Et ouais, le dictateur qui fait mal, comme veut le montre Merwan. Allez, le Sagat. C'est chaud. Voilà, il y a des légendes urbaines qui disent que Bass a un Blanca en ratio 2, mais personne ne l'a jamais vu. Allez. Aïe, c'est chaud là. S'il se prend le combo dans le coin, c'est la moitié de barre même pour Sagat. Attention Justin. Oh là là, c'est incroyable, c'est un fou. Hey, c'est un truc de malade. Il arrive à repêcher le barre. Les amis, c'est des matchs d'anthologie, c'est un truc de fou. On n'a jamais vu ça. Olivier et tout, ils sont partis où au restaurant? Ok. Donc. Bass, les Skies, qui se qualifient donc, les Bernard Tapie en grande finale. Et donc, la finale loser, qui va avoir sa fille contre Ultima World. Les fossiles, la fossile. Et oui, car l'ami Icarinette de l'association AH2R, on salue pour ses 10 ans de bons et loyaux services. Étant spécialiste en jeu de mots, la caméra à nouveau. Poppy, tu peux régler la caméra? Je vais prendre la clé pour le panel, pour le. Un tout petit peu. Regarde, elle est tombée, tu la relèves. Voilà, donc on voit le beau faciès morbide de Ika Renet. Allez, les Frenchies, les amis, c'est les derniers Français en lice. Un tonnerre d'applaudissements. Ils peuvent le faire, les amis, bien être. Et c'est parti, Justin Wong contre Icarogal, ses groupes contre ses groupes. Et voilà, comme je vous l'avais dit, Icarogal qui fait le choix cette fois-ci tactique d'utiliser son régal en ratio 2 directement pour essayer de faire mal au moral de Justin. Parce qu'il sait qu'en affrontement classique, ça ne le ferait pas. Voilà, il doit se débarrasser de la griffe, il le sait. Ah, la chope en l'air. Bien regardé, voilà, mais la griffe qui saute, il y a un saut très très rapide, voilà, et du coup tous les coups de régal qui whiff dans le vent, allez, tu peux le faire, voilà, bien vu, dégâts la chope, du coup, bien gardé de la part de Justin, et du coup là, un réel chope à nouveau.
Voilà, cette fois-ci. Ouais, le rôle, vous l'attendez, le rôle cancel. Ok, ça s'emporise. Non, non, faut pas s'impatienter comme ça, Kenneth. Allez, 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 doucement, doucement, doucement. C'est chaud, hein. Allez, 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 Kenneth. Gargale, oh, oh, c'est un stand airshop incroyable. Allez, voilà, du coup, on s'observe. Mais Justin, quel avantage? Non, le 5 qui va gagner. Si, 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 si. Et là, c'est un grand coup moral. Allez, il va falloir encourager Kenneth. Un sac à trois Blanca, c'est jamais mort. Mais bon, derrière, il y a la cheville, il y a le sac à de Justin. C'est pas n'importe qui. Hey. Allez. Ok, Kenneth, voilà. Qui doit garder son calme, clairement. Voilà. Il se laisse trop sauter devant dessus. Qui devrait pouvoir faire quelque chose. Voilà. Bien, bien gardé. Aïe, 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 la furie kebab. Ah, c'est chaud au moral, et le dash, et le coup de poing, ça inverse la garde, merci, incroyable, incroyable Justin, c'était pas, c'est pas menti, hein. Même à ce stade de la compète, le strike n'est pas loin. Allez, allez, voilà. Hey, hey, hey. Et là, la blanquette de veau qui peut le faire. Oui, bien gardé, bien regardé. Ouais, non, c'était compliqué là. Allez. Incroyable, les réflexes de Justin, c'est fantastique. Ok, du coup, Kenneth qui recherche sa barre tranquillement. Voilà. Oui, monsieur. Voilà. Ah. Voilà. Et le boulon au colsel. Et la griffe. Allez, plus que deux. Plus que deux. Allez, la cheville qui a un versus favorable en général contre Blanca. Beaucoup de ses coups peuvent casser, mais ça reste Blanca. Allez, voilà, du coup, Justin, hein, toujours tel son plan de base, il ne va pas forcément attaquer. Hein. Il se... voilà. Il lui suffit, et le combo, c'est terminé. Alors, il fait le choix. Voilà, la gratte, est terminée. Propre, propre. Allez. Ok. Et donc cette fois-ci, on va avoir Ultima et son groupe contre Toichiro, Philippe le Lyonnais et son K-Groove. Et des beaux persos SNK. Et vraiment, il y a un groupe d'attaque qui fait les coupeaux. C'est génial. Alors voilà, on va faire le bouton check ici. Préparez votre Cosmo Énergie, les amis. Toichiro est le dernier représentant de la race française. Allez la France, allez la France. Donc, quand le match va démarrer, please, 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 transmettez-lui toute votre énergie. Il en aura bien besoin. Justin, tout coach quand même, Ultima, qui dit attention. C'est magnifique. Si on m'avait dit un jour, tu seras comme ça sur la grande scène du Stunfest et tu commenteras la finale, Justin, contre Basse, Jordan, casse-toi, arrête de me raconter les bobards, et maintenant, je suis là, on est là grâce à vous. Merci encore, vous êtes vraiment. Amour et rôle, cancel, putain. Bon, les gars, max de bruit pour Toichiro, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. Allez, la France. Voilà, Toy, c'est son Yama qui m'a dit, ah, voilà, démarre le pressing. Il reste prudent, super bien, le Sonic, la barre du garde, et Ultima, qui a ramené son rôle cancel. Du coup, qui se prend la punition. Incroyable, Toy, c'est super, faut pas qu'il se relâche. Ok, ok, voilà, punition choc. Oui, il a puni. Il est complètement son match. Allez, allez, Toy. Super, il compresse cette sacroix, elle n'a rien fait. Voilà, il se barre. Super, le chat. Faut pas se relâcher, faut pas se relâcher. Et c'est comme ça. Allez, Yanazaki. Petite main dans la poche, pas besoin de l'autre. Ok, va falloir. Ouais, super, il punit les whiffs. Super, là, le décalage choc qui est pas sorti de la barre d'Ultima. Et attention, la barre de la groupe qui est pleine. Cette fois-ci, ça va être dangereux. Oui, bien vu, les chats qui continuent. Ok, bien vu, il s'est baissé pour éviter de les diables. Punch.
Allez, tranquille, voilà. Il ne se presse pas. Le petit Jens Event qui lui permet de punir avec ça. Ouh, il aurait pu être puni là, sur le chat, dans le volant. Il reste très prudent, parce qu'il sait que là, quand Ultima saute vide, voilà, un groove, un déclenchement, un groove n'est jamais loin, mais pour le moment, il fait son bonhomme de chemin. Et la moitié de barre du dictateur qui est entamé, Ultima, bon, la frustration se fait de plus en plus naissante. Super bien vu, Tosh, qui est incroyable, qui déroule de la manière royale. Voilà, c'est bon, heureusement on n'est pas dans le coin, parce qu'après un livret dans le coin, c'est un groove directement. Bien gardé, bien échappé de la part des deux instants. Non. Voilà. Deutsch qui se reprend. Et le time. Il va falloir être prudent. Oui, la déchoppe. Oh lolo. Royal Deutschion. Qui peut faire l'exploit. Qui peut revenir. Attends, Justin. Il a un groupe d'attaque. Il est capable. Il pourrait lui donner du mal. Voilà, mais là, par contre, Blanca, en relais d'électricité, ça fait mal. Et c'est terminé. Voilà. Bien joué même par le Ultima. Bon, il faut que le Kyo fasse des dégâts. Il faut que le Kyo avance. Il ne faut pas se relâcher. Il n'y a pas d'avance, il y a en retard. Voilà, super. Là, punition de la balayette. Mais l'électricité. Oui, monsieur. Et là, il va falloir prendre très prudent. Oui. Ouais, super. Non. Ok, non. Garde. Voilà, s'il te plaît. Ok. La shock spay. Oui. Oh, le reset. French reset. Super bien vu. Et là, la barre de Kagrou. Le pressing de Deutsch. Oui. Super. Deutsch qui déroule. Allez, la barre de garde qui va craquer. Voilà le roll cancel qui sort. Ultima de cette pause base passe. De le faire. Mais, allez, le rock, vas-y, rock my world, baby. Ok, je dis beaucoup, ok, mais space, je suis excité. Allez, touch, tu dois pas se lâcher. Là, il y a un groupe qui passe. C'est la part. Non, s'il vous plaît, vous constatez le rock. Non! C'est terminé les amis, sauf ratage. Aïe, ça fait mal. Non, l'espoir. Allez, la France. Ah. Et bien joué, la part du petit bâton est bien revenue. Aïe, cette déception. Mais après, tu vois que c'est quelque chose, c'est un petit club. Ça va bien? Ça va. Bien. Ok. Bon, t'as reçu. Bon, one parfait. Avant, au début, j'ai eu un gros truc avec ça. Donc, Ultima, cette fois-ci, qui va se faire les dents sans mettre un verre à l'art tapis pour s'échauffer, hein, parce que, bon, malgré l'excellente prestation hein, d'Otto Ishiro, Ultima a eu beaucoup de ratage. Hein, donc là, vous le voyez en train de s'entraîner à faire la manip des rolls cancel. Et c'est ça qu'il a perdu tout à l'heure. Ok. This is gonna be a master. Ok les amis, du bruit pour la grande finale de Sevesto. Merci. Bon, même si c'est Bernard Tapie, tout à l'heure, on verra un peu plus sur les légendes, mais...
Voilà. Et le Honda, c'est facile, qui se fait choper. Oh, le bon point. Et le Doskoï. Le Doskoï. Voilà, c'est facile. Sky qui se montre un peu plus prudent. Super. Voilà, le bon point et la barre de Sakura qui s'envole. Attention à ne pas mettre de Doskoï trop loin et à se faire punir par un groupe qui n'attend que ça. Voilà, bien vu là cette petite fin de Doskoï. Allez. Ok. Oui. Skies, qui a l'air d'être beaucoup plus inspiré, peut-être par les matchs, les teams qui viennent voir. Oui. Bien gardé. Ok. Dommage. Allez. Mais qu'est-ce que c'est que cette punition de père en fils, malheureux. Fallait faire un médium et après un Doskoï. Bon, pute à mort l'ami Bernard Tapie. Tu t'en fous complètement. Tu t'en fous. Mais quel escroc, mais c'est pas possible. Allez, il faut se débarrasser de cette Sakura. Ça a l'air de rien cette barre. Mais là, il fait une roulade. Un agro, il a raté le agro. Il l'a raté, il le sait. Voilà, et attention messieurs dames. Ouais, il rate encore. Heureusement. Heureusement pour Bernardo. Et là. Oh. Ok. Allez, Skies. Un spectateur. Ok. Et cette fois-ci, c'est Ultima qui va s'imposer son rythme et qui n'a pas besoin d'aller chercher forcément Sky. Si Ultima, je pense, se sent insulté de devoir affronter un tel escroc et du coup essayer de l'attaquer, mais quelque part, c'est comme ça que ça marche. Voilà, escroc qui se capte. C'est marrant, parce que j'ai l'impression que quelque part le public aime Bernard Tapie. Dites-moi si je me trompe. Allez. Alors, oui, il a raté le rôle. À nouveau. Guys, voilà. Oui, monsieur, l'émission de la Fabriette. Oula, oula, oula. La barre de garde de Skies, voilà, qui va remonter tranquillement. Du coup, Ultima qui tambourise, Oh, c'est chaud, qu'est-ce qui se passe? Mais comment Ultima peut avoir autant de mal? Et que se passe-t-il? Bernard Tapie, un grand monsieur des vrais games. Quand il y a de l'argent, il y a Bernard Tapie. Et non, il rate à nouveau. Et ils sont deux. Mais la récupération, quand même, pour faire par le Grévy Lyonnais. Et quand même, Skies qui s'en sort et qui sauve l'honneur. Il arrive au troisième poisson. Grand, grand monsieur ce Skies. Ok, Blanca, Blanca. Voilà. Skies qui a de bonnes décisions de temps en temps, mais qui manque de connaissances de jeu. Bien sûr, ça va aller, mais c'est. Il a raté. Il aurait pu finir cette balade. C'est un roulade. Attendu. Ah, au revoir, président. Ok, merci Skies. Et alors, public, pour peut-être pour cet affrontement légendaire, je vous demande, messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour ces deux grandes stars du Versus Fighting. Allez. Griffe contre griffe, voilà, ça s'observe. Vachement, qui a encore plus téléchargé Justin Long désormais. Voilà.
Voilà, cette fois-ci, il se laisse encore moins faire par le Béni. Cette fois-ci, c'est pas ce qu'ils ont, c'est incroyable. La palette de goût, d'inventivité qu'a ce joueur. Et à placer également, c'est un groupe. C'est pas, il n'y a aucun autre joueur qui sait faire ça dans le monde. C'est incroyable, il a poussé ce groupe à son meilleur. Voilà, Justin qui se fait prendre à son propre jeu. Voilà, il y a eu une tentative, Bershom, heureusement, s'est sauvé. Voilà, passe royale, il est en train de... Il roule. Allez. Voilà, la chope, c'est incroyable. Et le passage dans le dos, voilà, il tombe. C'est fou. Voilà, Kenel qui donne ligne de la tête, qui dit c'est n'importe quoi. Comment peut-on lutter comme ça? Parce qu'il, je le rappelle, roule sur quasiment tous les joueurs japonais aussi, c'est bien sûr. Donc c'est pas... C'est même là-bas... Il jongle comme ça, donc pas étonnant de même Jessimo qui en plus un peu à la retraite à ce jeu, fait du mal, mais j'ai espoir pour avoir du spectacle et que ça ne sera pas que un sens, c'est dommage, mais il a raté son firme pour une petite feuille de chenille qui aurait fait mal, parce que la griffe n'a pas besoin de vie, et alors, oui, hey, et cancel, hey, le soir, ah, dommage, ah, le reset était super bien vu, il a raté la tête derrière. C'est pas grave, mais cette fois-ci, petit avantage dans ce versus à Justin Wu, garçon calme. Oh là 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 là. Oh, ça déconne pas, ouais. Justin peut être content. Yes, he can be happy. Ok, on se relâche pas. Celui qui va récupérer un peu de vie, et c'est reparti. Ok, c'est confirmé, c'est incroyable. Un tel niveau. Voilà, attention, la corbasse saute comme ça, c'est dangereux. Quand il saute comme ça, c'est dangereux. Justin le sait. Il met la garde. Voilà. Et les deux adversaires, ça va être un jeu d'échecs qui va ouvrir la garde de l'autre, qui va faire mal. Pour le moment, beaucoup de prudence de la part des deux adversaires. Justin Wu qui se débrouille. C'est très très lent. Parce que là, à la moindre erreur, c'est la moitié de barre minimum qui vole. Ouais. Oui. Non. Non. Ok. La garde de reset, qu'est-ce qui va se passer? Il l'a eu. Hey. Ok. C'était bien vu de la part de Bass, ce décalage, cette roulade. Fantastique. Allez, Justin. Cette fois-ci, c'est Bass qui va reculer et qui va essayer de recharger sa barre en donnant des coups dans le vide. Ah. Voilà. Finition. Oh là. Ça va. Aïe. On veut pas de mind game. Ça doit être le site qui déconne. Ça va en faire. Oui. Allez, et le temps. Non, oui. Justin Wu, qui va gagner autant. Et le time. Voilà, je vous l'avais dit. La petite erreur. Et Bass, il s'en veut. Et on a enfin vu son blanquet, les amis. Et ça, c'est génial. Allez. Ouais, il peut se permettre ça. Mais Bass, on n'accusait pas cette phase. Tous les joueurs la font à partir du moment. Oh là là, il n'a pas laissé la chenille s'échapper. Et ça va être ratio 2. Et les deux barres pleines. Allez, Justin Wong. On aimerait un reset de braquette, on aimerait plus de spectacle, j'ai envie de me casser la main, moi. Ok, oui, parce qu'il maintient le pressing, parce qu'il sait, l'ouverture de garde. Aïe, la barre de garde, Justin, attention là-bas. Oui, fantastique. C'est génial, il n'a rien raté. Ok, Bass qui va devoir surfaire. Bass, voilà, attention Justin, ne pas être impatient. Oh, le groupe. Dommage. Vraiment, super match de la part de Justin. Et il a fallu d'un relâchement, d'un petit rôle d'électricité dans le coin. Et hop, ta barre de vie s'envole comme peau de chagrin. Et là, Ultima. Et ouais, car le pression sur les épaules. Qui va devoir sauver cette balle. Ok,
qui va utiliser son Honda. Alors. This is gonna be a mess to remember. Fuck it. Et alors, puisque je fais aussi commentateur sportif en live, j'annonce à tous les spectateurs ici présents que Guingamp vient de marquer le premier but. Ouais. Mais qu'est-ce que c'est que cette connerie? On a un rêve, bordel. Bon, allez, pendant que je vous parle, eh ben, Chima se débrouille pour le moment pas trop mal. Le Tchanagé est passé, bien vu. Voilà, la barre, super. Pas dommage. Allez, Ultima qui a peut-être un choix gagnant d'avoir pris ce Honda. Ultima qui avec le décalage. Ah, dommage. La chauffe qui est pas sorti. Et là, le blocage. Voilà, super bien vu. Oui, les mains en roll cancel. Et ils savent là qu'il y a des déclenchement. Ah. Allez, Ultima qui doit garder son calme malgré son avance. S'il te plaît. Ultima. Oh là. Ça va trop vite. Il y a eu mind game. C'est n'importe quoi. Ce mec, tu peux pas la lui faire. Inhumain. Allez. Vas-y, Tima, faut pas se relâcher. Voilà. Il suffit d'un combo là pour se débarrasser de ce blocage. Il va essayer de gratter jusqu'au bout et de recharger sa barre. Voilà, bien ce petit live. Voilà, super Ultima. Allez, des espoirs des États-Unis, des Américains, on salue. Ok. La griffe qui maintient le pressing. Et voilà déjà, on a quasiment la barre qui va craquer. Heureusement, le agro n'est pas plein. Mais le agro, la barre de passe, va se remplir très bientôt. Voilà. Cette fois-ci, Ultima à l'attaque. Non, même pas. Et là c'est dangereux. S'il te plaît, Ultima. Quelque chose. Il entre. Oui. Oh là là, ce dash dans la maillette. Bien vu, elle a essayé de provoquer Agro. C'est pas sorti parce que Bass est très très prudent malgré son avance. Malgré toutes ses victoires. Et c'est peut-être pour ça que c'est un grand champion. Se relâche jamais. Aïe. La barre de garde. Pas mal. La barre de garde, voilà. Oui. Non. C'est pas grave. Maintenant, le pressing. Il a réussi à déchoper, c'est n'importe quoi. Allez. Il a déchopé la barre de masse. Oh là là, ne se met pas dans le coin malheureux. Et la barre de vie, et la vie, et le temps. Ah ouais, masse, ça joue la sécurité. Pas même pas, l'attaque. Hop là. Ah ouais, Ultima qui essaie de recharger sa barre de vie. Mais qui fait un très beau match, hein, Ultima. Il a bon, on a beau dire, hein. Vraiment, je pense quelque part il fait le match de sa vie, Ultima. Là, si seulement il pouvait atteindre le dictateur. Aïe. Ah, c'est chaud. C'est tendu. On va peut-être pas le voir, le dictateur. Là, au poids. C'est fini. C'est fini, les amis, je vous l'annonce. En bon Nostradamus que je suis, je vous annonce que voilà, que c'est. Hey, c'est pas fini. Allez, on lâche pas le style. Et la garde, c'est terminé. Bravo. Grand champion. Marvelous. Passe. Voilà, messieurs, dames, on va procéder à la remise des lots. Et donc, j'appelle les troisièmes, la team Fossil à Fossil. S'il vous plaît. Donc, Icarugal et Kenneth. Je vous demande d'applaudir les troisièmes de ce tournoi.
nos petits Frenchies, les Carogales, les Joyciaux. Merci pour eux. Bravo. Ok. Et j'appelle les deuxièmes, la team Ultima Wong, please on the stage. Un tonnerre d'applaudissements pour ce beau spectacle qu'ils nous ont offert. Merci à eux. Voilà, merci à eux. Et enfin. Thank you guys. Thank you. Et enfin, j'appelle le grand monsieur et le grand escroc. J'appelle Bernard Tapie. Tonnerre d'applaudissements pour ce dieu de CES2. Voilà. Bien joué, bien joué. Ouais. Basque et enfin, oh la main. Ce tournoi, c'est 10 ans. Voilà, et donc un Bernard Tapie, investissement nickel. Hein. Mon gars, un mercato d'enfer. Pas de crise pour les petits salopards. Et comme Malek et Zouzou le disent, oh my brother, testify!